soit Morgane Labarre qui est euh, historien de l'art, enseignant à l'ENS, directeur de l'école supérieure d'art d'Avignon et qu'on va écouter pendant euh, 30 minutes avec nous puisqu'on va passer 6 heures ensemble autour des années 80 et de l'art contemporain jusqu'à aujourd'hui, son impact. Est-ce que Morgane est là Mais oui, je suis là. Magnifique. Bonjour. Bonjour. Bonjour euh, et merci pour l'invitation. Ben merci à vous, surtout que le, la direction de l'école supérieure d'art d'Avignon, ça doit bien vous occuper en ce moment. Ah, C'est plutôt, plutôt prenant. Euh, J'ai pris mes fonctions le 1er septembre et je, 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 je dors peu. <laughs> euh, je vous ai entendu, et c'était une merveille, au festival d'histoire de l'art de Fontainebleau, où vous étiez en train de parler, tu peux mettre l'écran, de euh, la scène californienne. Euh, euh, que j'ai retrouvé ici, vous voyez mon écran? Oui euh, qu'on retrouve euh, puisque leur série Press parle de cette scène californienne des années 80- 90. Vous avez pas mal écrit dans notamment celui-ci Press. J'essaye de gérer mon timing hein, donc je vais essayer de vous questionner, apprendre des choses, les partager avec tout le monde et puis, euh, et puis pas traîner de trop. Euh, ce que j'aime bien dans ce que euh, résume le petit numéro d'art Press avec des interviews euh, euh, qu'on voit ici de Chris Burden, R Richard Jackson, Mike Kelly, Paul McCarthy et de Rucha, déjà de mettre Rucha avec euh, Kelly McCarthy, ce n'est pas forcément une idée euh, qui viendrait à tout le monde, même Burden. Et... Alors, ils se retrouvent ensemble parce que c'est la scène de, de, de la période. Effectivement, Rocher, il, il est plus âgé. Euh, on est plutôt sur les, enfin, les premières euh, réalisations vraiment importantes, c'est les années 60. Euh, il, est intéressant, il est intéressant à cet endroit-là parce qu'en fait, il est un, un point de jonction entre l'art conceptuel et le pop art, version californienne. Et en fait, tous les autres artistes qui, qui, sont, qui sont nommés là euh, hérite complètement de cette tradition, dont euh, il s'écarte euh, plus ou moins, mais euh, il y a vraiment une, une filiation. Euh, une filiation, à des Rochers C'est vraiment une figure euh, euh, centrale en Californie hein, euh, -ce que, à ce, ce, ce moment-là. Ce qui est assez étonnant, et euh, je le dis d'une façon naïve exprès, c'est que j'avance un peu euh, le, les, les œuvres qu'on va voir. Euh, Jim Dean. Euh, je fais presque le déroulé. Euh, Mike Kelley. On, on, on est proche d'un du, art très populaire des nounours, euh, des dessins animés, des personnages, euh, des choses. Euh, on l'a deviné avec euh, les images ici, mais euh, même avec les pi Pinocchio de Dean, euh, des choses assez trash qui associent l'enfance et l'art. Le, et, et on n'a pas l'impression qu'on est dans quelque chose qui soit très conceptuel, alors que Ed est vraiment euh, à la frontière des deux, entre le pop et le conceptuel. On, on se rend compte que les deux vont bien ensemble. Oui, et avec beaucoup d'humour chez Rocher, il y a vraiment une, une ironie un peu permanente. Il y a des œuvres, pas forcément les plus, les, les plus connues, mais dans ces livres d'artistes qui sont alors pas trash, mais assez amusante et un peu bête. Il y a notamment celle où euh, il, fa il fabrique une salade, c'est un livre d'artiste et ça a donné. Il en a fait un film également où euh, euh, ils font une, une salade géante dans, un, dans, un, dans une chambre d'hôtel, dans un lit, euh, en versant des, des, des bidons d'huile pour faire la vinaigrette, etc. Euh, J'ai tout d'un coup le titre me revient pas. Mais il y a des choses quand même chez Rocher qui font un petit peu le voilà qu'on qu qu pourrait, qui pourrait faire un lien. Après effectivement. Euh, Michael, McCarthy, le Pinocchio de Jim Dine. Il y a aussi une, une installation de Paul McCarthy sur Pinocchio euh, au début des années 90. Il euh, y, a, y a vraiment chez ces artistes-là une volonté de... Alors, de se réancrer dans euh, la culture populaire et la culture populaire, pas la culture populaire au sens de la, de, des artistes pop, à savoir le, le monde de la consommation très lisse, un peu idéalisé, euh, l'American way of life. Oui. Non, là, au contraire, c'est plutôt l'envers de cet American way of life. Et, euh, et c'est très caractéristique chez Kelly, chez Mike Kelly, les pratiques vernaculaires. C'est-à-dire... La culture populaire telle qu'elle est vécue, incarnée dans des pratiques euh, qui ne sont pas forcément celles des masses médias, euh, ou celles qu'on va voir dans qui sont la consommation de masse. Il euh, y a quelque chose, voilà, c'est lié, euh, est, est lié à la contre-culture. Voilà, c'est euh, cet héritage. Voilà, c'est la contre-culture des années 60 qui m'a fait connaître l'avant-garde. Une, oui. une, une, une transition qu'elle est importante de s'exclure, hein, contre-culture. Euh, et puis même euh, culture mainstream, Disney, etc. Et, et le lien vers l'avant-garde paraît complètement curieux pour le public qui nous regarde et qui ne connaît pas euh, la façon dont, ce, dont cette avant-garde va piocher dans l'univers. Euh. Alors, le, le terme avant-garde, il est délicat à mon avis parce que il est, les, aux États-Unis, il est beaucoup employé. Euh, les avant-gardes, c'est les avant-gardes historiques. Les avant-gardes historiques, c'est les années 20-30. Ensuite, on va parler de néo-avant-garde, donc de nouvelle avant-garde dans les années 50-60, avec les gens qui, comme Jasper Jones ou Robert Rauschenberg, qui permettent de sortir en fait de, du grand récit de l'expressionnisme abstrait, de la peinture, euh, etc., euh, en revenant à euh, des pratiques hybrides du quotidien, de l'humour. Dada est une référence importante, etc. Et, et, et dans les années 80-90, le terme d'avant-garde, il paraît déjà un petit peu daté ou galvaudé, en fait. Euh, ces artistes-là ne se, se présentent pas nécessairement comme des artistes d'avant-garde, parce qu'ils sont arrivés à un moment où les avant-gardes sont derrière, en fait. Et eux, ils veulent revenir. Enfin là, je, je fais des généralisations un peu abusives. Hein. Évidemment, dans les détails, c'est plus compliqué. Mais revenir à des pratiques qui soient vraiment euh, en dialogue avec la société de leur temps et ancrées dans euh, les pratiques culturelles de leur temps. C'est très manifeste euh, dans, de manière différente chez Mike Kelly et chez Paul McCarthy. Euh, le, le Paul McCarthy des années 80-90, il y a en toile de fond euh, le monde de Disney dont il prend le contrepoint euh, là je vois l'image que, que, que vous m'ont montrée, c'est la série Candor de, de Mike Kelly c'est Superman qui est en toile de fond mais c'est Superman transformé en des sculptures à la fois pop et en même temps qui s'inscrivent dans une histoire de, de, de sculpture abstraite euh, c'est une abstractisation en quelque sorte de Superman je voulais vous montrer une image qui était très drôle c'est que euh, ben la, la, la contre-culture, euh, c'est aussi. Euh, J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Une espèce de. Est-ce que Disney c'est de la contre-culture parce que c'est pas de la culture savante Est-ce que je trouvais assez mignon, c'est que j'ai retrouvé ces images de 55 quand euh, quand Disney présente. Faut euh, que tu le déboîtes un peu parce qu'on voit pas toute l'image. Ouais. Quand il présente son parc et euh, le, la, la naissance d'un parc avec un plan, une espèce de ville idéale. Euh, qui est une façon de, de faire renaître des utopies, mais aussi une utopie qui est un peu inquiétante, finalement, qui va intéresser les artistes de critiquer. Voilà, de tout ce qui fait encore rêver les gamins aujourd'hui, mais je trouvais que l'image, on, on s'en sert assez souvent, on a une espèce de modernité, la bagnole, l'aérotrain, etc. Mais dans cet îlot qui, qui fait un peu peur, parce que c'était un projet utopique global. Quand on voit euh, le rêve, euh, quand la tête de Donald arrive, on se rend compte que ça fait même plutôt peur. Et, euh, et je ne sais pas si vous connaissiez cette image, mais McKelley et, et l'ironie des Pinocchio sanguinolents est pas loin quand même. Euh, je ne connaissais pas cette image-là. Effectivement, c'est vrai que quand on, quand on visite les attractions historiques de, de, du Disneyland historique, hein, à, dans, au sud de Los Angeles à, à, à Orange c'est à c'est à euh, car, enfin 40 km au sud de Los Angeles c'est assez fascinant il y a les il y a les attractions dans leur jus et effectivement euh, donc les années euh, fin 50 60 il oui. euh, y a il y a quelque chose d'un petit peu inquiétant dans ces marionnettes euh, euh, animés euh, qu'ils qu appellent les animatronics euh, aux États-Unis en, en anglais et donc c'est ces figurines animées ro, un peu robotiques euh, qui sont appart appartiennent au monde de l'enfance et qui effectivement euh, peuvent être à certains endroits perturbantes mais ça euh, bon je vais pas refaire le, la psychanalyse des contes de fées et tel et, et, et mais ces choses là mais il y, 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 y a toute une euh, tradition de euh, une histoire de l'enfance euh, inquiétante dans ce qu'elle euh, dit du monde de, des adultes, du passage à l'âge adulte, etc. Mais je, je voudrais revenir à ce que, moi, ma position là-dessus, c'est de dire que, euh, en fait, dans les années 80-90, il y a ce qu'on appelle le second âge d'or de Disney. C'est La Petite Sirène, c'est Aladdin, c'est euh, Le Roi Lion. C'est des succès planétaires, hein. Disney renoue avec des succès planétaires. Et ça donne une image du monde de l'enfance très lisse, très sucrée, pas violente, un peu idéale, assez normée en fait. Et Paul McCarthy, dans les années 90, quand il fait ces figures qui semblent tout droit sorties de, 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 soit de cartoons, soit de, de, de dessins animés de Disney, en fait, il prend le contre-pied radical de ce succès d'un imaginaire de l'enfance un peu sucré, un peu doucereux, euh, euh, très lisse, etc., pour dire, mais en fait, c'est beaucoup plus... Euh, là, on est, en, on, on est en train de refouler euh, tout ce qui nous constitue dans ces imaginaires-là, ces imaginaires complètement asepti aseptisés. Euh, refoule toute notre vie de pulsions, etc., qui, 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 qui est aussi centrale. Et donc, c'est vraiment une réaction à, euh, à des succès planétaires et à une nouvelle hégémonie de, de, de l'imaginaire de Disney, en fait. Euh, qui, qui, c'est l'importance de la diffusion de ces images qui crée la, la réaction. Mais il se passe la même chose euh, dans la culture populaire, pas seulement dans l'art contemporain. C'est-à-dire qu'à la télévision, il y a des séries qui prennent le contre-pied radical de, de Disney. Il y a des cartoons euh, qui sont pas des dessins animés pour enfants, qui sont en réalité des dessins animés pour adultes, parce qu'ils sont vulgaires, parce qu'ils sont régressifs, parce qu'ils sont grotesques, etc. Donc là, vous mettez un, en image un exemple qui est Beavis and But Donc quand on traduit, c'est littéralement Beavis et tête de cul. Euh, donc ça, 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 ça donne une idée du niveau. Et euh, c'est les, les personnages dont, vous voyez, l'animation est très rudimentaire. Le, le dessin lui-même est... Euh, Vraiment élémentaire, et c'est euh, c'est la régression adolescente dans toute sa dans toute sa, sa splendeur quoi. Euh, and Butthead". Et ça, c'est un vrai hit dans les au début des années 90. Est Ce que de vous êtes en euh, train de ça... dire, je vais faire exprès de moi aussi de, de simplifier, c'est que cette ironie sur Disney, elle peut pas arriver dans les années 60. Le, on pourrait dire que Ed Ruchat, le Hollywood retourné. C'est un jeu avec l avec ce que Hollywood transporte. Il y a déjà de l'ironie depuis longtemps, mais, mais la, la, la capacité de se moquer des enfants, de, de montrer qu'ils sont vulgaires, qu'ils sont euh, méchants, qu'ils sont teigneux, comme on le voit dans Baby Santa hein, ils sont jamais gentils. Euh, ça finit toujours mal. On pourrait mettre avec peut-être les Simpsons, voire euh, oui. South Park, qui est un peu plus tardif, puisque à chaque épisode euh, Kenny est mort. Vous voulez dire que c'est ce qui serait propre aux années, à ces années 90 un petit peu C'est la saturation du message gentillet euh, de, de, de la télévision et de Disney oui, oui, on peut le résumer comme ça. C'est euh, la saturation et le, 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 le besoin d'aller de, euh, de enfin, vraiment ailleurs. Quoi. Alors Après, il y a un autre endroit qui est euh, la régression adolescente. Bivis and c'est un petit peu différent de McCarthy en ce sens que euh, Bibi-Sanbetet, c'est vraiment l'adolescence qui est ciblée. C'est-à-dire, c'est la figure de l'adolescent bête, euh, qui va être une posture d'artiste à ce moment-là. C'est-à-dire, le, le, la, la figure sociale de, de, de l'adolescent un peu, euh, l'adolescent attardé, Quoi euh, elle, 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 est omnipré, elle est très présente dans ces années-là. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Euh, on l'a au cinéma également. Euh, on, a, euh, on a Bill and Ted, il euh, y, y en a eu plusieurs de Bill and Ted, Bill and Ted Excellent Adventure, etc. Euh, c'est ça, c'est des, des ados euh, qui grandissent pas. Et on a la même chose dans l'art contemporain euh, à ce moment-là. Là, Là c'est Raymond, question... Raymond Petitbon qu'on voit. Alors, Petitbon, c'est encore, euh, encore autre chose, mais ça revient à la, votre mention de la culture populaire et de la contre-culture. Euh, petit Bon, c'est euh, du, du dessin un petit peu inquiétant qui est du dessin euh, de comics d'une certaine manière et de pochettes d'albums de, de, de musique. Euh, il a fait des, un certain nombre de pochettes d'albums, il, il, est, il est membre d'un groupe, comme l'était Mike Kelly euh, au demeurant. Et donc, il y a, y, a, y a aussi cet élément euh, nouveau qui est que le modèle... Pour ces artistes, ou le modèle en tout cas de collectif, c'est euh, c'est plus le le, le mouvement d'avant-garde, le le groupe de punk plutôt en fait dans les années euh, du début de, au début des années 80, fin 70-80. Euh, donc le rôle aussi de la, de la culture punk est, est extrêmement important dans ces changements euh, dans le monde de l'art contemporain des années euh, des années 80. Oui. Ce qui... C'est un petit vidéo montage de, de plusieurs œuvres de Petit Petitbon, où on voit que la culture populaire euh, vidéo, télé, les espèces de clips de vente de, de produits rêvés sont accompagnés de graphismes créés par Petit Petitbon lui-même. On est vraiment sur un univers qui vient de, de tous les horizons euh, di différents euh, je reprends une, une citation que, à propos de McCarthy et de, de son ID de 1992, qui est aussi dans l'introduction de, de cette scène californienne. Euh, L'imitation et le jeu de l'acteur m'ont toujours passionné, confit-il. J'aime mettre en évidence le système des signes et les jeux qui les accompagnent. Euh, McCarthy pratique le, le, la danse, la vidéo, la performance. Euh, et il dit euh, je fais référence à cette culture à l'œuvre dans les interstices de la publicité du cinéma et de la télévision ce qu'on appelle parfois culture dont lui-même est issu une ville ouvrière du milieu l'ouest a supporté à l'avant-garde de la création contemporaine et il parle des poupées sans tête euh, ou encore Candor donc cette cité euh... c'est-à-dire il il dit pas seulement qu'il est dans la contre-culture il est dans les, dans les trous de la culture dans, dans les interstices oui. entre les publicités ce que ce que ce qu'on retrouve dans dans ce dans ce jeu avec, euh, avec sa propre image, avec des portraits de. Il est dans la. Et quand il dit low culture, en fait, chez, chez Mike Kelly, euh, une chose importante à avoir en tête, c'est son. Lui, il a une formation d'artistes à, euh, à l'école euh, CalArts, qui est en Californie, l'école où il y a de l'art conceptuel, euh, de, de, de ce qui se fait de mieux, de ce qui est en point, d'avant-garde, etc. Et. Il y a vraiment dans ce recours à la quand il dit low culture, c'est-à-dire c'est populaire et c'est ce que c'est vraiment par opposition à la culture savante, à la culture d'élite et aussi à ce qu'est la culture d'avant-garde euh, artistique. C'est-à-dire c'est vraiment une manière de dire tout ça c'est beaucoup trop élitiste. On se euh, passez passez-moi l'expression, mais tout ça c'est de la masturbation intellectuelle. Euh, on va aller se se, se, se réancrer dans ce cas de plus populaire. Mais ce qui est de, ce qu y a de très compliqué avec Kelly et qu'il faut souligner, c'est que c'est pas non plus un culte de la culture populaire, de l'underground, etc. Il y a aussi dans la pratique de Kelly une manière de se moquer des prétentions un peu révolutionnaires. Des artistes qui vont chercher euh, la low culture, hein, la culture du bas, la culture populaire, etc. et euh, qui seraient un petit peu de la révolte à bon compte, quoi. Donc, elle est, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il ne prend le parti de personne. Et c'est là où il invente une œuvre qui est euh, radicalement originale, en fait, et qui est très dure à saisir. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il fait euh, l'apologie de cette culture ou s'il la critique. Il fait les deux à la fois oui. euh, et il. Euh, il euh, il, il travaille avec parce que c'est celle dans laquelle euh, on est immergé et qu'il qu veut tout montrer. Oui, alors j'avoue que le rapprochement Petit Bon, McCarthy, Quelle euh, est euh, peut se discuter. D'ailleurs, ça m'intéresse euh, de, de vous entendre à ce propos. Je voulais juste montrer, vous parliez de, des pochettes de Petit Bon. Euh, je découvrais. Euh, sur un, une, un site internet, parce que la, les analyses culturelles sont de plus en plus intéressantes sur ces, euh, ces médiums. Juste euh, vous montrer, ça vient de, de ce site euh, Back at Blog, la, la pochette de Sonic Youth euh, des années 90. On se dit bah, tr très belle pochette. dessin de Raymond petit Petitbon, Mais quel est le couple présent sur la pochette de Go? Et la révélation est exactement à l'image de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, c'est à la fois, ça a l'air sympa, ils ont l'air cool, euh, ça a l'air un peu détendu. Même le dessin, graphiquement, il est à la fois très bien fait, à la fois un peu maladroitement fait. Et, euh, et ce que le site nous révèle, voilà, le, 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 le petit titre, on est en 90. J'ai piqué le mec de ma sœur, tout n'était que tourbillon, chaleur, éblouissement. En l'espace d'une semaine, nous avons tué mes parents et foutu le camp. Ce qui commence assez fort sur l'espèce de malaise. Et puis, pour aller vite, euh, euh, voilà, ce sont des serial killers. Qui euh, en France personne ne s'en souvient, mais en Angleterre euh, entre 63 et 65, Yann Brady, Myra Hindley, violèrent, torturèrent et tuèrent pas moins de cinq enfants âgés de 10 ans. Alors là, on est quand même dans un truc où on rigole plus du tout. C'est absolument euh, sordide. On a retrouvé le corps. Euh, il faisait des films quand il trucidait euh, les gamins. Ils ont essayé d'entraîner le beau-frère dedans. Euh, et voilà la photo quand ils sortent du procès, accompagnés par euh, Maureen Hindley. Une photo de presse qui inspire euh, Raymond Petitbon et qui donc, euh, ben il en fait une pochette de disques, en fait, il en fait euh, ce qu'il fait continuellement, c'est-à-dire euh, un jeu à partir de cette culture, à partir de toute cette série de Serial Killers qui arrive d'ailleurs dans ces années euh, fin 70-90, ça va devenir une espèce de... de, de le, 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 le clown meurtrier, ces fin, fin des années 70-77, voilà, une espèce de jeu entre euh, la bande dessinée, les faits divers, euh, les figures d'autorité, on a Regan. Euh, voilà, mais le, le trait faussement maladroit, le, la bande dessinée des années 40, c'est ce que vous dites, en fait, c'est qu'on est dans plein de cultures différentes qui sont mélangées, dans lesquelles il n'y a vraiment plus du tout d'hierarchie. Mmh. Et euh, ce qui donne euh, cette incroyable pochette et le verso de la pochette, qui est à la fois un dessin, les titres mis euh, euh, à la main et puis euh, une trace de rouge à lèvres. Il me semble qu'on a euh, euh, exactement le même principe que, que, que ce que vous décriviez dans cette conférence que j'ai entendue où euh, Kelly et McCarthy vont, vont installer des images qui ont l'air de sortir de l'enfance ou de la pop culture et qui peuvent aller sur des, des représentations du monde violent qui sont pour nous, le public, très gênantes à regarder. Parce que quand j'ai raconté tout ça, maintenant, cette pochette est un peu malaisante, comme disent la jeunesse. Mais... Euh, et ça n'empêche que c'est beau. Donc, on a quelque chose, une espèce d'attitude en, d'entre deux qui est, qui est tout à fait embarrassante. Est-ce que vous trouvez que c'est assez voisin de ce que vous décriviez sur euh, Kelly, McCarthy, sur les expos américaines? Oui, en particulier pour l'exposition de Mike Kelly. Moi, je, j'avais analysé cette exposition de 1988 qui s'appelle Pay for your pleasures. Donc, payer pour votre plaisir ou payer pour vos plaisirs. Et euh, à la fin d'un corridor, où il y avait des grandes tentures sur les côtés avec des figures de l'histoire de l'art et de la, de la, de la, la philosophie euh, occidentale. Donc il y avait Oscar Wilde, il y avait euh, Baudelaire, il y avait... Enfin, euh, bon, je, je, je les ai oubliés, il y avait Nietzsche, enfin, bon, voilà, tout un tas de grands penseurs et des citations euh, qui faisaient l'apologie du génie euh, malade ou de la folie ou de, ou même dans le cas de Jean Genet ou d'Oscar Wilde, de meurtrier, euh, de, du meurtre comme forme esthétique ou ce genre de choses-là. Et, et donc, on traverse ces, ces corridors, euh, on lit ces citations sur la destruction créative, etc. Et on arrive au bout et on a un, un dessin un petit peu, euh, un petit peu euh, rugueux, pas particulièrement réussi, c'est un clown. Et quand on regarde la, le cartel, on découvre qu'en fait, le dessin, c'est un dessin réalisé en prison par ce serial killer qui a tué euh, dans la, la décennie précédente euh, des, des, des dizaines d'enfants. De, de, euh, et donc, tout d'un coup, évidemment, on est extrêmement perturbé, et perturbé aussi parce que ce qu'on vient de traverser... Avec ces euh, grandes figures et leur fascination pour la, pour, la, pour la violence radicale en fait, en quelque sorte. Et donc il y a vraiment quelque chose là dans ces. C'est tout à fait euh, juste de rapprocher ça de Petitbon. Alors ils sont proches, hein, Michael et Petitbon, ils se connaissaient très bien. Ce sont des gens qui sont proches. Il euh, y a vraiment quelque chose là de la volonté de créer un malaise très puissant. Euh, et ça revient à ce que je disais sur l'envers le, un peu cauchemardesque du rêve américain. C'est-à-dire, ce sont des manières de, de, de montrer que ces horreurs-là, elles font aussi partie de la société des États-Unis. Oui. On, on ne les met pas nécessairement en avant, mais en réalité, elles sont centrales, voire plus le système américain dans son ensemble qui génère énormément d'inégalités économiques, et par ailleurs extrêmement puritain sur le plan de la morale. Il ne faut pas oublier qu'on on, voilà, on est dans un pays de, de tradition puritaine. C'est une manière de dire que tout cela engendre aussi, par contre-coup, euh, cette violence-là. Ou en tout cas, on ne peut pas la cacher, la mettre sous le tapis. Elle est là. Elle est là et elle est l'envers du monde dans lequel on vit. C'est une sorte de rappel. Euh, de, de, de... Je c'est un retour du refoulé, mais il euh, y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Ouais. Il y a, oui, il y a oui. un peu de ça dans certains Warhol, le, le, la chaise électrique, les, 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 les hommes les plus recherchés du monde, le, oui. les, les accidents crash, qui, qui jouent de, de la société du spectacle, de la fascination qu'on a aussi, même si on l'avoue pas beaucoup pour les faits divers. Et les journaux qu'on achète mélangés à une espèce de culture pop euh, joyeuse Disney. Absolument. Euh, dans le cas de, de, de Warhol, c'est alors je dirais pas que c'est là mélangé à une culture pop Disney moi, oui. euh, parce que ces images là, bon, il y a de la couleur, mais euh, elles sont euh, pour certaines hein, des, des, des chaises électriques, mais elles sont euh, euh, elles sont en fait assez sobres. Et le ce qui ce qu'interroge Warhol à cet endroit là, c'est la circulation des images. C'est le, le fait que ces images morbides sont les images les plus vues, les most wanted men, c'est les bon les hommes les plus connus, les hommes les plus voulus. Et là où en plus c'est un petit peu ambigu, c'est que euh, ça peut vouloir dire les hommes les plus désirés. Euh, donc il y a aussi une question de, de des questions de sexualité là qui sont euh, subtilement ou plus ou moins subtilement en fait euh, réintégrées. Pour, voilà cette question de l'articulation. Entre le, 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 le plaisir et le dégoût, hein, grosso modo, on, on tourne toujours sur ces couples traditionnels et la fascination qu'on a, euh, que chacun a, chacune, chacun a pour ce genre d'image-là. C'est-à-dire, ça, c'est tout le principe de la fascination. Ça peut être rebutant et dans le même temps, on a du mal à en détacher son regard. Et c'est exactement ce qu'il montre euh, avec ces séries-là. Mais ce n'est pas, pas tout à fait la même chose dans la manière dont c'est. Comment dire Warhol, c'est une fascination pour des images spectaculaires un peu morbides, macabres. Euh, petit bon ou qu'elle est, c'est la fascination pour la perversité et l'horreur à son acmé. Euh, c'est ça qui est intéressant, hein. enfin, c'est que ça va encore plus loin dans l'endroit le, de malaise où ça veut nous placer. Oui. Et c'est pas drôle. Parce que les frères Chapman, par exemple, un peu plus tard, ils vont travailler sur cette question de l'horreur et là, ils empruntent énormément à la culture des films d'horreur. Mais il y a déjà, en fait, dans le, le grotesque, le, 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 le caractère excessif de cette horreur, quelque chose de comique. Euh, là, avec les, le cas de Petit Bon ou de Kelly, dans ces, aux endroits que vous avez montré, hein, là, on est sur quelque chose dont l'objectif euh, central, c'est le malaise. Euh, y a, on n'est pas sauvé par le second degré, en fait. Est-ce que, puisque je dois vous laisser et que 30 minutes sont déjà passées, hélas, j'espère qu'on aura l'occasion de vous réécouter, le, le, votre mémoire doit être publiée euh, qui porte sur ces sujets Alors, ma thèse, ma thèse de doctorat qui portait sur la, la bêtise comme pratique artistique, il y avait beaucoup de Paul McCarthy, un petit peu de Mike Kelly euh, et, et, et bien d'autres artistes, euh, donc les années 80, 90, etc. Euh, doit paraître, ça devait être 2021, ce sera 2022, on oui. prend toujours un peu de retard, en 2022 aux éditions Les Presses du Réel, sous le titre La gloire de la bêtise, régression et superficialité dans les arts depuis la fin des années 80. Voilà, eh euh, j'espère que, que j'aurai l'occasion de le présenter et de vous inviter, puisque vous avez très gentiment, depuis Avignon, bien voulu euh, répondre à mes questions. Merci Je beaucoup. Je vous remercie. Merci pour l'invitation et je, je, je reviendrai discuter avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, Morgane, là -bas. À bientôt. Bah, bonne revoir. rentrée.